Maxim Belogin, Alexander Kassianov, Michaïn Tebaï. C'est l'une des pistes les plus anciennes au monde, l'unique piste naturelle toujours en service et qui a une histoire toute particulière. L'Olympia Bob Run de Saint-Moritz a accueilli 2 Jeux Olympiques d'hiver et plus d'une vingtaine de championnats du monde. Justement, Saint-Moritz accueillait dernièrement l'une des étapes de la Coupe du Monde, une étape où beaucoup de bobeurs prennent du plaisir. C'est la particularité de Saint-Moritz, c'est une piste qui est plus lisse que ça, vous ne pouvez pas trouver. Et quand j'explique à des amis la différence entre Saint-Maurice et d'autres pistes artificielles, quand vous passez à côté et que vous entendez les bobs, sur les autres pistes, vous avez l'impression que c'est des, on va dire, des boîtes à outils qui descendent. Et sur Saint-Maurice, c'est un léger souffle, comme une voiture électrique, vous ne les entendez même pas passer, quoi. Monaco était engagé dans cette étape aux côtés d'une trentaine d'équipes. Tout d'abord en bob à deux avec Rudy Rinaldi en pilote et Boris Vin en pousseur. Les deux bobeurs ont bénéficié d'un tirage favorable profitant d'une piste plus clémente. Qualifiés pour la seconde manche, les Monégasques terminent à la 16e position, à 3 centièmes de la 14e place. Bon, le niveau, on savait qu'il allait être très élevé. Il y a eu un problème sur les 200 premiers mètres de la piste. On a perdu énormément de temps, donc c'est vrai que c'est un peu incompréhensible parce qu'on a réalisé 2 belles poussées, 2 beaux runs, donc ouais, la déception, c'est sûr qu'elle est là. En plus, avec le prince et toute la fédération qui était là, c'est vrai qu'on voulait faire notre meilleur résultat de l'année ici et ce sera pour la prochaine fois. Pour nous, aller chercher le top 12, c'était accessible. Bon, il nous manque, c'est vrai, 3 centièmes pour être 14e et on va dire 15 centièmes pour être top 12, donc c'est sûr que c'est dur, c'est frustrant. On le cherche un tout petit peu, ça fait quelques courses. Déjà l'année dernière, on est tout le temps à notre place, la 16e, 17e, ça bascule pas près du top 10 en bob à 2. Ben, on va continuer à chercher. Hier, on semblait qu'on avait un problème de glisse par rapport à ce qu'on est capable d'avoir aux entraînements. Parce que bon, les lignes étaient bonnes, la poussée était bonne. Donc il n'y a pas de raison à ce que nous aussi, on ne se rapproche pas de ce top 10. Mais on va continuer à travailler et je pense qu'à force, on va trouver. Au vu des entraînements et des chronos intéressants réalisés ces derniers jours, les Monégasques espéraient débuter mieux l'année en Coupe du Monde. Déçus mais pas abattus, ils concouraient en bob à 4 le lendemain. Une première pour Rudy Rinaldi, Boris Vin, Thibaut de Marton et Steven Borge. Une équipe jeune qui s'entraîne depuis cette année seulement ensemble. Une équipe prometteuse qui finit 13e au classement général devant les Britanniques 5e mondiaux. Martina Kornmann, 29. Je pense qu'on a fait une très belle course. On est 11e à la première manche avec une très belle poussée, 5-0-9. On a un groupe qui est très très jeune, c'est quand même vachement prometteur. Après, on perd de place à la deuxième manche, mais voilà, encore une fois, on a un groupe très jeune. Les gens qui sont devant nous, c'est des gens qui ont 15, 20 ans d'expérience. Nous, enfin, moi, ça fait 4 ans que je fais du bob, ça fait pareil pour Rudy. Donc, non, c'était vraiment une belle course aujourd'hui. Cette équipe de bob pleine d'espoir sera de nouveau en piste ce week-end à Königssee en Allemagne pour une nouvelle étape de la Coupe du Monde.